Aujourd'hui, au Puy-en-Velay, l'heure est aux travaux. Et pour cause, le parking en surface Place Dubreuil, qui compte actuellement 150 places, va bientôt disparaître pour laisser place à l'extension du parking souterrain Dubreuil. Le projet a été voté lors du dernier conseil municipal tenu le 21 janvier 2008. Le parking Dubreuil, construit en 1982, d'une capacité de 450 places, devrait permettre, après travaux, d'accueillir environ 400 véhicules supplémentaires. Ce, afin de faciliter le stationnement des riverains. La construction, c'est le doublement du parking existant, c'est-à-dire qu'il passerait de 400, il est actuellement à 470 places, on créerait 450 places supplémentaires, donc en gros on le double. On en profiterait pour réhabiliter aussi l'existant. Libérer sur des places d'extérieur assez intéressantes, sur des zones intéressantes, des zones de vie. À long terme, le projet permettra un désengorgement de la circulation dans le Puy par la création, par exemple, de couloirs de bus ou de voies réservées aux cyclistes. Il rendra aussi le centre-ville plus agréable en limitant le nombre de véhicules stationnant en surface. Le projet est plutôt bien accueilli par les habitants.